C'est la loi les forestiers, je ne sais pas. Mais il ne suffira plus de parler. C'est à des fourniers. Il était bien dans la famille. Les fermiers, c'est eux qui avaient le goût au début. Mais vous, quand vous allez suivre, à un moment donné, on est, ils vont les appeler. Les vaillants sont des datifs. Du coup, ils ont dit, les vaillants maintenant, ils sont devenus des parents, des hommes de marque, des hommes qui impactaient maintenant la société. Ils sont restés fidèles à lui. Ils ont évolué avec son ministère. Et son ministère a impacté leur vie. Ils ont laissé leur vie imprégnée de la parole de Dieu, du règne et de l'onction qui répandue sur eux. Ceux qui se moquaient d'eux au départ ont vu la gloire de Dieu. Ils ont été confondus. C'est-à-dire, c'est parce qu'ils se sont soumis à la discipline. Mais ils sont soumis. Un ministère, fils de Dieu, non, qui en tirera forcément pour vous. Alors, parce que Christ, c'est l'expérience de la gloire, l'évolution. C'est un Dieu de progrès. Fais une longue dans ta vie. En même temps, il y a un changement. L'envoi un changement. Une évolution. Jésus ne peut pas rentrer dans ta vie. Et puis, il a fait sa vie la même. C'est pas possible. C'est ce qu'il a fait à Pierre. C'est la même chose. Quand Pierre a mis sa part à sa disposition, les temps qui ont subi ce jour-là, c'est fini. À la dernière minute, la récolte qu'il a fait, la moisson qu'il a fait ce jour, il n'avait jamais fait mon tout ça. Amen. C'est pour vous encourager. Vous dites que Jésus-Christ est vivant. Amen. La religion qui était le plus important. C'est une religion de vie. Amen. Je vais te demander encore du conseil expérimenter ça. Mais la vérité, c'est que tu vas vivre l'abondance. Amen. Tout dépend de ton engagement. Amen. Amen. Tu t'engages véritablement, tu verras les fruits de tes yeux. Non, pas avec ton palpage. Jésus, c'est du concret. Ce n'est pas des illusions. C'est une réalité. Il change effectivement. Il impacte. Christ pour vous, l'expérience de la gloire. Alléluia. Amen. Que fais-tu de ta barque ou de ta vie? Est-ce que tu l'as totalement mis à ta disposition? Est-ce que tu l'as mis à effectivement prendre possession de ta vie et de ta vie. Amen. C'est ça. C'est dans cette distance ici. Ça dit une entière confiance. Qui est dit sur ta parole. On parle la tête. Sur ta parole. Je jette sur toi ta parole. Désormais, c'est sur ça que je fais marche, je marche. C'est-à-dire, moi-même, ma connaissance, tout ce que je fais, là, je viens d'écouter. Sur toi, ta parole, j'agirai maintenant. Amen. Amen. J'agis. Est-ce que j'agis sur la parole de Dieu, sur ce qu'on te dit? Amen. Amen. Ça, c'est important. Ah, c'est nous. Nous incarnons tout ça. C'est qu'on dit. Vous avez marché ici. Ce qui est censé te bénir. Alléluia. Amen. Tu fais autre chose, on appelle ça une rébellion. Et ça, c'est plus grave que d'adorer un petit chemin. Gloire au Seigneur. Amen. C'est un encouragement. Pour vous dire que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, ça peut sembler comme un effet. Mais c'est parti comme ça. C'est parti comme ça. Il n'y a pas de brouillon. Dans Dieu, il n'y a pas de brouillon. Chaque acte posé est marqué et écrit. Et c'est pourquoi il est bon de réfléchir d'abord. Amen. Amen. C'est très important. Il faut réfléchir d'abord. Il faut méditer et réfléchir. Gloire à Dieu. Amen. C'est important. Vous êtes là. C'est vous. C'est
fragile de vous, comme les gens prieront avec l'impact de nos messages. Alléluia. Amen. Il faudrait qu'on constate un progrès, une évolution. Il faudrait que les messages vous influencent dans votre caractère, vos activités. Il faudrait qu'on lise la vie. C'est une question de vie. Tout ce qui est mort en vous doit être vu. Tout ce qui est bizarre, qui ne glorifie pas Dieu, doit disparaître. La médisance, la paresse, la désobéissance, toutes ces choses doivent disparaître. C'est une nouvelle vie qui doit apparaître. Amen. 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 Dans Colossiens, chapitre 3, verset 6. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez premièrement les choses d'en haut, les choses spirituelles. Désormais, cherchez les choses spirituelles. Soyez attirés par les choses spirituelles, les exercices spirituels, la prière, le jeûne. Ça ne doit pas venir de nous-mêmes. On ne doit pas faire la folie. Il faut que tu pries. C'est imposer des jeûnes. Non. Non. Mais tu es ressuscité avec Christ. Si Christ est réel dans ta vie, ça doit être un exercice de tous les jours, comme un jeu. C'est-à-dire la tendance vers l'évolution. Amen. Amen. Il faudrait que les gens disent que ça, c'est très important. Amen. Vous laissez entraîner. Vous laissez envahir par la vie de Dieu. Et vous allez voir que ça va agir. Ça va se faire voir. Jusqu'à quand Christ, votre vie paraîtra, vous paraissez. Amen. Pourquoi tu as prié ce matin? Amen. Amen. Voilà, Amen. Je suis surpris spécialement pour participer à cette intercession. Et j'aimerais que vous compreniez pour d'autres personnes que nous sommes tous au service de Jésus-Christ. Voilà, nous sommes tous au service de Dieu. Et pour nous, c'est d'apporter quelque chose dans votre vie. Vous mettez que Dieu nous utilise pour une transformation dans votre vie. J'ai l'impression que d'autres ne participent pas. Ils sont vraiment là au sein du ministère. D'autres sont là peut-être pour quelque chose. Et je pense bien que vous voulez comprendre que nous sommes là pour des choses spirituelles, pas des choses charnelles. Sinon, nous ne serons pas ici. Voilà, nous ne serons pas ici. Nous serons peut-être des gens en train de manger des beaux plats, en train de nous balader, en train de répondre à certaines choses. Sinon, cette année, je devais être même au siège de la fin d'année aux États-Unis. Je devais être au Gabon, je devais être dans beaucoup de pays. J'ai reçu pas mal de gens sur les plats internationaux. J'ai dit, je suis pour ça. Je pense que pouvoir répondre à un besoin. C'est nous avons commencé à Zaloko. Effectivement, il faudrait que les musées impactent. Je voulais que les musées impactent. Donc, nous sommes les pouvoirs. Parce qu'il y a, ce qu'on appelle parler de Jésus. Mais l'objectif que Dieu m'aurait atteint, c'est de faire les nations les disciples. On est disciples parce qu'on suit l'enseignement du maître. Sinon, aller, c'est de répondre à l'ordre suprême. D'évangéliser, d'accord. Mais le but que Dieu lui atteint, c'est de faire les individus son disciple. Quand les disciples, c'est qu'on les connaissons au maître, on fait ce que le maître a demandé. Donc, il y a l'enseignement. Et c'est vrai que pour nous, c'est vrai qu'on est invité par le village. Pour la destruction des jeunes à ce pays, mais après, est-ce que les gens sont véritablement convertis? Est-ce qu'on était vraiment touché par Jésus-Christ? Donc, c'est ce travail de suivi que nous faisons ici et qui nous a permis de comprendre que le Seigneur a voulu que quelque chose soit plus fait dans le coup. Il y a maintenant, nous avons des grands projets. Il y a le projet de plus grand sens de métier. Nous avons fait un même. Parce que l'Église ne doit pas être là seulement pour les crier Alléluia, Alléluia. Elle doit vraiment agir. Et c'est pour ça que, ici même, là, nous avons un grand. Et ces projets-là, ça ne date pas de l'Europe. C'est des choses qui ont vécu fort longtemps et il fallait vraiment trouver un lieu. Sinon que déjà il y a le secours, déjà le faire. Déjà que nous autres, dans le mois de janvier, le mois prochain, il y a déjà deux maisons qui sont déjà disponibles pour nous. Il faut faire l'administration. Nous sommes en train de faire déplacer l'administration d'Abidjan et Amsoko. Voilà, d'Abidjan et Amsoko, parce que c'est pas loin des Arocos. Et c'est dommage parce que c'est aujourd'hui à l'autoroute.
et puis un centre de l'administration à Yamoussoukro. Déjà, les moyens sont déjà là pour déjà équiper l'administration. Et ce n'est pas tout le monde qui est là avec nous. Vous savez, Jésus-Christ, il y avait assez de monde qui le suivait. D'autres le suivaient parce qu'ils donnaient à manger. Enfin, ils donnaient à manger et tout ça. Ils donnaient à manger. À un moment donné, Jésus a compris qu'il fallait vraiment faire des prières. Qu'est-ce qu'ils sont vraiment spirituels ou pas. C'est pour ça qu'il y a d'autres personnes qui pensent que Jésus-Christ conseille la sensibilité aux gens où Jésus dit je suis de mon corps et la nourriture et mon sang. Non. Il m'en est dit Christ lui-même, là, c'est la vie. Voilà, c'est la vie. Il pourrait le suivre à cause des choses spirituelles, pas à cause des choses charnelles. Ils ont suivi Jésus-Christ, mais Jésus-Christ, nous avons suivi, nous avons saladé. Et pourquoi nous pouvons retrouver sur le même lieu? Jésus dit vous me suivez parce que vous voulez manger. Moi, mon corps et la nourriture et mon sang, c'est présent de la